Bonjour à tous. Je voudrais vous parler d'une passion, d'une passion qui a animé toute mon existence. J'ai été enseignant pendant 25 ans, d'abord à Toulouse, à l'université catholique, et ensuite à Fribourg, en Suisse, l'université d'État. Puis j'ai été nommé responsable de l'éducation catholique dans le monde entier, c'est-à-dire 1700 universités. 250 000 écoles, et à chaque fois que je passais dans ces institutions, je disais, vous faites le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde. Il ne s'agissait pas, pour un éducateur, surtout vis-à-vis -vis des enfants ou des adolescents, il ne s'agissait pas d'apporter de, des idées nouvelles. Au fond, pour eux, pour ces élèves, toute idée est, est nouvelle. Quel est, quel est le rôle du, 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 du pédagogue je me suis permis de coucher quelques réflexions que je vous livre maintenant, assemblées, ajustées d'une certaine manière, amenées à l'essentiel, proposer des synthèses inédites, trouver des rapprochements inattendus, des mots qui frappent ou qui stimulent, ou encore, pour parler comme Jacques Maritain, distinguer pour mieux unir. Au fond, le propos de L'éducation est à la fois humble, magnifique et terriblement ambitieux. Aider le plus jeune à développer ses dons et ses possibilités afin d'épanouir en lui ce qu'il y a de plus humain, passer de la virtualité à la virtuosité. Et le verbe latin educare exprime ce souci d'élever, de former. Il y a un verbe latin également tout proche, « educere », qui se traduit par « tirer hors »,« exaucer ». L'éducation cherche donc à tirer l'enfant, l'adolescent, ou même d'une certaine manière l'étudiant vers le haut, afin de lui permettre de construire sa personnalité avec le plus de chance, avec le plus d'harmonie. Et dans son dernier journalier, Jouando disait que le propos de l'éducation, c'était de parvenir à l'élégance du cœur. Cette élégance du cœur, nous, anciens élèves des frères des écoles chrétiennes, nous l'avons connue très tôt. Et je voudrais donc leur manifester en ce moment toute ma gratitude, toute ma reconnaissance. Les livres d'histoire nous montrent que... Cette pédagogie mise au point dès la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, des frères, euh, qui a au fond irrigué les écoles françaises durant tout le XIXe siècle, après la sécularisation, après la disparition pour expulsion, pour raison d'expulsion des frères, cette pédagogie est passée dans l'éducation nationale, dans l'instruction publique. Et de manière plus récente, je me rappelle avoir été invité dans un pays d'Amérique latine, reçu par le ministre de, de l'Éducation, qui était en quelque sorte mon alter ego, une femme socialiste, qui me disait que lorsqu'elle voulait façonner, élaborer une réforme de l'enseignement primaire, mais aussi d'une certaine manière du secondaire, elle considérait toujours la pédagogie lassanienne, la pédagogie des frères des écoles chrétiennes. Voilà donc le merci que je voudrais leur manifester au début de, 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 de cette conférence. Et euh, je n'oublie pas qu'ayant été formé à Béziers, je me suis rendu évidemment à plusieurs reprises à Fonserane, au point de découvrir que Fonserane avait été pendant un siècle à peu près l'un des lieux majeurs de la formation des frères, non seulement français, mais espagnols. Et donc, je voudrais qu'on parle de Foncerane. Monseigneur, mon cher Jean-Louis, tu connais effectivement Foncerane. Et on connaît tous Foncerane par l'œuvre de Riquet, qui a fait ses fameuses écluses. Mais sais-tu que Foncerane... Était, les jardins de Fonserane étaient un, un bien des chevaliers de Saint-Jean-de-Malte. Voilà. Parce que euh, là, nous sommes au XIIe, XIIIe siècle, et euh, le, à cette époque-là, le domaine était vraiment situé sur l'axe majeur de la voie domicienne. Et donc, euh, la voie domicienne qui traversait Béziers, comme tu le sais, et qui passait par là. Fonserane, je ne te la prendrai pas, et euh, l'étymologie du mot, qui est faite de deux mots en quelque sorte, fonte et sérane, fontaine sereine, la fontaine sereine. Et euh, pendant longtemps, on était au 15e, 16e siècle, 15 siècle, on avait des écrits qui nous apprennent que l'abondante source irriguée permettait d'avoir l'eau courante dans tout le, le faubourg à Béziers. Hein voilà. En 1831 s'ouvre, place Sainte-Aphrodise, un pensionnat, qui va s'appeler le pensionnat de l'Immaculée Conception. Le pic. Et, et, et d'ailleurs les frères ont été les premiers à trouver ce terme de pensionnat, pensionnat. qui n'existait pas dans l'éducation. Oui, oui, oui. Et en 1855, le pic achète à la famille Barthès l'intégralité du domaine de Fonsoranne. Et ils font des travaux, commencent les travaux, euh, et inaugurent la nouvelle chapelle qui sera bénie par le curé de Saint-Jacques en mai 1857. Et que vont-ils faire Ils vont faire une maison de euh, formation des futurs frères. Hein voilà Mais euh, on sait ensuite que vers 1880, le climat anticlérical s'intensifie en France. Euh, à Béziers, même, on, on, on détruit la colonne de l'Immaculée Conception qui, euh, 25 ans auparavant, avait, été, euh, avait, pu, avait pu être élevée par souscription publique et dans l'enthousiasme général, 25 ans après. Et là. Tout, tout, va, tout va disparaître. Et puis nous arrivons en 1904 où euh, l'institut des frères sera interdit. Les frères quittent la France et ceux de Béziers vont en Espagne, à Figueras. Hein, tu le rappelais tout à l'heure. Voilà. Et puis euh, que va devenir Fonserane pendant cette, cette époque-là eh Fonserane va être transformé en polyclinique. Polyclinique qui était euh, dirigée par le docteur Guibal, on a la rue Guibal à Béziers, et tout ça jusqu'en 1922. Là, les frères se réinstallent, reprennent leur, leurs activités comme auparavant. Et puis, il y a une date aussi, une date très importante pour les Bitérois, pour toi également, 1937. Eh bien, 1937, c'est le frère Lucien qui commence à construire cette crèche merveilleuse, qui fait encore rêver les petits et les grands. Hein voilà, donc maison de retraite pour les élèves, maison de retraite pour les frères. Maintenant, euh, tout le jardin potager, l'immense jardin potager a été transformé en, en terrain de sport. Il y a une salle de sport, un terrain de sport. Euh, et la plupart des bâtiments maintenant sont occupés par une maison de retraite médicalisée qui appartient à la fondation de la SAN et qui donc euh, continue cette activité. Elle, elle reçoit d'ailleurs non seulement les frères, mais également des, euh, des, religieuses, des, des religieux laïcs, voilà. et même, même, même des laïcs. Voilà, c'est euh, ça, exactement. exactement. Voilà. Donc, avant que le frère Guy euh, nous conte l'histoire euh, du pic, mais surtout euh, l'histoire de l'enseignement qui a évolué grâce à des frères au milieu du XIXe siècle. Je voudrais te dire à toi cette phrase importante qui était pour les frères une priorité. Il disait, commencez par rendre heureux ceux que vous voulez rendre meilleurs. Et maintenant, frère Guy, vous allez nous conter cette merveilleuse histoire qui a fait, euh, grâce aux frères, en particulier ceux du PIC, qui a fait évoluer l'enseignement euh, au milieu du 19e siècle. Bonjour, je suis le frère Guy Sévérac, et nous nous trouvons dans un lieu très particulier pour une maison de retraite, un cabinet de curiosité qui a été constitué par des objets provenant d'établissements scolaires que j'avais dirigés. Il s'agit de Saint-Joseph de Toulouse, il s'agit de Saint-Joseph de Rodez et de Montpellier, le Collège de la Salle. Je vais vous raconter la grande aventure de l'histoire des frères des écoles chrétiennes à Béziers. Et je vais commencer par une date. 1820. Jean-Baptiste de La Salle est mort depuis un siècle. Jean-Baptiste de La Salle est le fondateur des Frères des Écoles chrétiennes. Lorsqu'arrive la Révolution, il y a en France une trentaine d'écoles dirigées par les Frères des Écoles chrétiennes. La Révolution éclate, toutes ces écoles sont fermées. Et là, je me permets de citer une phrase assez surprenante qui a été prononcée à l'Assemblée législative en 1792. Sans supprimer les corporations religieuses, c'est-à-dire les congrégations, même celles qui vouaient à l'enseignement avaient bien mérité de la patrie. L'Institut des Frères sera restauré en France en 1802 à l'appel... De, de Bonaparte et les frères sortent de la clandestinité et ils se regroupent ils partent de Lyon ils vont à Toulouse et petit à petit l'institut va prendre corps et va s'amplifier mais venons à Béziers sur cette Aphrodise il y a un prêtre qui restait très célèbre l'abbé Martin c'est le curé de cette Aphrodise. Il connaît les frères des écoles chrétiennes et il souhaite ardemment que ses frères s'installent sur Béziers, sur sa paroisse. Pour ce faire, il achète un bâtiment qui existe toujours. Et si vous allez au pic, vous pénétrez dans les bâtiments d'origine. Et on voit qu'ils sont très anciens. Trois frères arrivent de Montpellier. Où les frères s'étaient installés quelques années plus tôt. Ils ouvrent une première école, alors employons le vocabulaire que l'on aujourd'hui, une école élémentaire, donc Place Saint-Aphrodise. Mais l'abbé Martin a un autre projet. Son projet, c'est de scolariser les enfants, les garçons bien sûr, à la suite de l'enseignement élémentaire. On pourrait appeler cela un embryon d'enseignement secondaire. Il fait de longues démarches. Et il veut que ce soit aussi un pensionnat, c'est-à-dire que les élèves résident dans l'établissement. Les frères en avaient déjà créé quelques-uns avant la Révolution, mais tout avait été balayé. Et ça va poser un énorme problème de conscience aux supérieurs. Et pourquoi Parce que la règle des frères des écoles chrétiennes voulait que les familles. Ne paient strictement rien pour la scolarité de leurs enfants. Or, dans un pensionnat, disons un internat, il n'était pas question de, de, de vivre de l'air du temps. Il a fallu faire de longues démarches auprès de Rome pour que, on accepte, euh, que Rome accepte la création d'établissements où les familles devaient payer. Une compensation a été demandée ou proposée, c'est que chaque établissement, chaque pensionnat faisait vivre aussi autour ce qu'on appelait une école gratuite. Et cette pratique a continué pendant des années, des siècles, et même je pense que dans certains pays à travers le monde, les frères continuent à pratiquer cette formule. L'abbé Martin est tout comptable, et je vous cite. Ce qui est relevé dans l'historique. Le jour de l'installation des frères a été un jour de fête pour la ville. Tout le monde a voulu y prendre part. Trois frères ne suffisent pas pour la ville. Le jour même de l'ouverture des écoles, il se présenta 500 enfants pour y être admis. Il fallut en refuser les deux tiers. Il est sûr que six frères trouveront ici assez d'occupation et soulageront les deux qui sont victimes de leur zèle. Un petit commentaire, les deux tiers de cinq salles, ça fait déjà beaucoup de monde, et c'était pour deux professeurs, ou deux, deux maîtres, comme on disait. Mais l'abbé Martin insiste pour que soit créé un pensionnat. Comme les démarches sont très longues, puisqu'il faut l'accord de Rome, du de Saint-Siège, vous imaginez, les frères continuent leur œuvre d'éducateurs pour les classes élémentaires et les classes populaires. Plusieurs écoles vont s'ouvrir sur Béziers. L'école Sainte-Ursule, l'école Saint-Jacques, ouverte l'année suivante, et qui se regrouperont en 1840 dans l'ancien locaux des couvents des dominicains, occupé actuellement par le musée Taurin. Il y a aussi des écoles Saint-Dominique, Le Capneau, quartier populaire, Saint-Jude. Ces écoles accueillent les enfants des classes populaires, et suivant les termes de la règle des frères, les enfants des artisans et des pauvres. Les frais de subsistance proviennent des municipalités qui se disputent pour avoir des écoles de frères. Alors beaucoup de familles sont satisfaites par l'enseignement donné et vont dans le sens de l'abbé Martin et insistent pour que ces écoles continuent. D'ailleurs, euh, elles continueront comme écoles euh, publiques. Jusqu'en 1882, qui rendra l'enseignement gratuit et laïque. Et là, c'est les familles qui se prendront en main et qui ouvriront ce qu'on appelle les écoles libres. Je les cite Saint-Jude, Saint-Joseph, Saint-André, Saint-Michel et Saint-Nazaire. Je pense que c'est la dernière qui a euh, fonctionné. L'abbé Martin n'a pas vu son rêve réalisé. Il meurt en 1824 et. Euh, le, le projet qu'il avait initié continue à survivre, les supérieurs de l'institut ne l'ont pas abandonné et c'est là qu'ils engagent des démarches auprès du, du Saint-Siège pour accorder une autorisation d'avoir une école où les familles participeront financièrement. Il faut quand même attendre 1831 pour que le pensionnat s'ouvre. On disait le pensionnat. Il n'était pas question du pic encore. Il s'ouvre cinq ans après le décès de l'abbé Martin. Il sera ouvert effectivement. La date de baptême serait le 21 février 1831. Arrive un frère qui s'appelle le frère Marin. Il est directeur. Il est accompagné par trois autres frères. Des frères qui traceront un sillon admirable par la suite. Nous en reparlerons théotique, exupère et libanos. J'ouvre une petite parenthèse parce que vous serez un peu surpris par les noms que portent les frères. C'est qu'ils quittaient leur prénom de baptême et quand ils devenaient religieux, on leur imposait un autre nom. Et il fallait qu'à travers l'institut, dispersé à travers le monde actuellement, aucun frère ne portât le même nom. Ces trois frères ne sont pas choisis au hasard par les supérieurs. Les Biterrois ne s'y trompent pas, qui, pour les désigner, déclarent, dans la langue du pays, tres testos dis une bounette, trois têtes dans un bonnet. Ils s'installent donc dans le bâtiment légué par l'abbé Martin, place Saint-Aphrodise. À ce moment-là, on ne parle pas de passionnat il prendra le nom du Pensionnat de l'Immaculée Conception en 1845, c'est-à-dire 14 ans plus tard. Les bâtiments sont trop exigus. Il est envisagé de changer de place et de bâtir un établissement aux extrémités des allées, de l'allée de Paul-Riquet, au niveau de ce qui est aujourd'hui le haut du parc des poètes. Ce projet est vite abandonné et les frères décident de s'étendre sur place. Alors là, va débuter un projet immobilier surprenant. Ils achètent un petit jardin et l'ancienne chapelle des Clarisses, dite des pénitents noirs, qui est séparée de la cour des frères par une rue en contrebas, qui passait au chevet de la chapelle. Un tunnel pratiqué sous cette rue permet l'accès à la chapelle. Le maire de Béziers prête gratis la vieille garde pour le creuser. Évidemment, cette, ce tunnel a disparu aujourd'hui. L'ancien couvent des Clarisses formait un pâté d'une trentaine de maisons, agglutinées autour de la chapelle des Clarisses, qui est toujours la chapelle du Pic. D'ailleurs, sur les, sur les murs, on voit les traces de ces constructions. Le frère Lefroy, directeur de 34 à 44 et ensuite de 48 à 68, donc ça fait quand même un bon nombre d'années, achète 12 de ces maisons. Un de ses successeurs, le frère Exupère, en achètera 18 de plus. Dès le début, les frères établissent ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un projet éducatif. Nous sommes en 1840-1850. Je cite Le développement du corps doit commencer sous les yeux de la mère, mais se poursuivre et s'achever loin de sa présence. Il ne faut pas que les craintes et les timidités maternelles compriment la hardiesse des mouvements et même la témérité des ébats de l'enfance. Je trouve ça extraordinaire. Autre citation, et qui aura une influence, enfin l'idée énoncée aura une influence sur la suite. Le latin et le grec, ces deux langues auxquelles le monde entier demande autrefois à la civilisation, ne répondent plus aux besoins de la plupart des esprits. N'oublions pas que nous sommes au cœur de la révolution industrielle. Que les études classiques ouvrent l'accès aux carrières savantes et aux postes éminents, certes, mais on ne saurait leur attribuer le sceptre exclusif de l'intelligence. Autre remarque, l'encouragement doit rester le levier habituel. Il est l'expression d'une belle âme et doit aller droit au cœur. Et le frère théotique, quant à lui, chérissait cette sentence. Commencez par rendre heureux ceux que vous voulez rendre meilleurs. Durant cette période d'extension, et pour être fidèle à un projet éducatif innovant, le frère Exupère achète le domaine dit de Plaisance entre 1844 et 1848. Ce domaine se trouvait au bord du canal du Midi, sur la route d'Arde, à l'emplacement de ce qui deviendra la gare de triage. La statue de la Vierge qui s'y trouvait sera achetée plus tard par une personne de Lignan-sur-Orbe et placée sur une place du village et restaurée tout récemment. Les trois décennies qui suivent la création du pensionnat sont une période d'un dynamisme surprenant, sur le plan matériel certes, mais surtout sur le plan pédagogique, éducatif et spirituel. À cette époque, les établissements qui se créent ont toute liberté pour construire le, les programmes d'enseignement. Et ça, c'était une pratique chère aux frères, puisque les frères n'avaient qu'une seule mission, l'éducation chrétienne, l'éducation par l'école, essentiellement. Et ils avaient toute liberté pour concevoir les programmes. Sachant que la règle leur interdit l'enseignement du latin, ils vont innover dans tous les autres domaines scientifiques, artistiques et littéraires. Or, j'ouvre une parenthèse parce que la question est souvent posée, mais pourquoi les frères ne pouvaient pas enseigner le latin D'autant plus qu'il y en a plusieurs qui avaient fait des études classiques. Alors, la, la raison est fondamentale. À l'origine, les frères ont pensé que la vocation et la mission d'éducateur, d'éducateur chrétien, se suffisait amplement à elle-même. Et ils craignaient que si j'apprenais le latin, je vois un terme un peu, un peu fort peut-être, il soit récupérés par les curés des paroisses pour rendre service dans les paroisses. Et donc, détourné de leur mission fondamentale. Voilà la, la vraie raison. À cette époque vont se constituer les premières collections pédagogiques, minéralogiques, zoologiques, archéologiques, botaniques. Le frère Lange, euh, des artisans de ces créations, est membre de la société archéologique de France. Les frères Samuel et Exupère étaient professeurs de peinture, car L'art, le, le dessin, la peinture, le théâtre avaient une grande place dans l'enseignement et la musique aussi. Une anecdote le pic avait construit vers les années 1860, je crois, sur toute une façade, des petits locaux pour les cours de musique. Et à un certain moment, il y avait 13 professeurs de musique au PIC. Ce n'étaient pas tous des frères, c'étaient déjà des, des, des musiciens qui venaient de l'extérieur pour donner des cours de musique. Donc une formation très riche et très ouverte. Alors Les frères Samuel et Exupère étaient professeurs de peinture et de dessin, autodidactes, mais les supérieurs avaient estimé, et ça je trouve assez surprenant pour cette période, qu'il était utile qu'il fréquente les ateliers de peintres célèbres et, l'un et l'autre, avaient fréquenté les ateliers d'Horace Vernet et d'Hippolyte Flandrin. Les frères créent et réalisent de nombreuses décorations d'églises et de chapelles. Le Pic a conservé ses fresques, et les anciens élèves s'en souviennent, dans la chapelle, un cortège de ses, malheureusement, vers les années 50-60, ce n'était plus à la mode, peut-être c'était un peu dégradé, et ces fresques ont disparu au profit d'une peinture uniforme. Par contre, à Fosserane, le frère Samuel et son équipe avaient réalisé les mêmes, ces mêmes fresques, et tout le monde est heureux de contempler aujourd'hui, parce que vraiment elles en valent la peine. Le frère Exupérien, c'est un. Des premiers élèves du, du Pic, il est originaire du Poujol. Il fera toute sa scolarité au Pic et, lorsqu'il aura fait sa petite formation religieuse, c'était très court les formations, hein, il, se, il reviendra comme professeur au Pic. Mais sa carrière se développera hors du Pic, euh, sur Paris, à la Maison Généraliste des Frères de Écoles Chrétiennes. Frère Exupéry donc connaîtra une carrière Exemplaire, formateur des, des frères, assistant du supérieur général, et ce qui n'est pas anodin, 1870-71, il engagera les frères, des centaines de frères, pour s'occuper des ambulances, c'est-à-dire pour récupérer les blessés et les morts sur les champs de bataille pendant le siège de Paris. Ces blessés seront accueillis dans les établissements de frères, dans les pensionnats, et il y aura des blessés qui seront soignés ici à Fonserane et même, je crois, au PIC. Son influence sera déterminante dans la rénovation pédagogique en qualité de membre du Conseil supérieur de l'instruction publique, chargé de concevoir les programmes de ce qui sera le baccalauréat moderne. Frère Exupérien, membre de cette commission depuis 1897, devient un membre discret mais très écouté auprès des personnalités telles Ernest Lavis, Marcelin Berthelot, Camille Julian et bien d'autres. Le frère Exupérien estime que les programmes proposés sont trop chargés. Alors, on est un peu surpris. Parce que quand on voit le poids des programmes scolaires à cette époque, on se dit qu'est-ce que ça devait être ce qu'ils proposaient, les autres. Et ce, en référence avec ce qui est pratiqué dans les pensionnats des frères, ils souhaitent des programmes pas trop, je ne vais pas dire légers, certes pas, mais pas trop lourds. Ils pensent que la surcharge des programmes risque d'avoir pour effet de nuire à la réflexion. Et à la formation véritable. les recommandations sont prises en compte par la commission et le ministre lui-même, georges Legge, demande à la commission de prendre en compte ces réflexions, ce qui fait dire à ernest lavis, voilà maintenant le frère exupérien qui conduit le conseil, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais tout de même il nous fait marcher. Les programmes du baccalauréat moderne s'inspirent qui n'existe pas encore, s'inspirent des pratiques développées par les pensionnats des frères. Déjà sous le Second Empire, Victor Duruy, ministre de l'instruction publique, entreprend de proposer une formation se poursuivant au-delà de l'enseignement primaire supérieur, qui était déjà une formation solide. Je pense que l'enseignement primaire supérieur se terminé par l'obtention du brevet élémentaire. Pour ce faire, Victor Duruy confie une mission à une commission parlementaire et académique qui visitera plusieurs pensionnats de frères à travers la France, en particulier euh, Saint-Joseph de Rodez, Saint-Charles de Marseille et surtout Passy, près de Paris, créé par les frères venus de Béziers. Les frères que j'ai déjà cités, qui sont à l'origine du pensionnat de l'Immaculée Conception, Théotique, Libanos, avec mission de reproduire là ce qu'ils avaient initié à Béziers. Victor Duruy, après avoir visité le pensionnat de Passy, pourra déclarer Votre institution a été conduite dans l'intérêt des familles. Nous allons vous faire concurrence par des cours d'enseignement spécial, mais il n'est pas facile de faire concurrence avec vous. Aux membres de la commission, il dit Je vous montrerai là mon plan réalisé. Et il reviendra avec une commission composée, je pense, de neuf euh, parlementaires. Ils resteront plusieurs jours dans le, à Passy, et c'est ce, de là que naîtra un nouveau examen, un nouvel examen le baccalauréat spécial, qui a duré un certain temps. Qui n'était pas très apprécié par une certaine élite et qui le dénommait avec un certain dédain que l'on peut regretter, le baccalauréat des épiciers. Ça veut dire beaucoup de choses. Chacun interprétait comme il le voudra. Le frère Exupériel, le jeune élève du Poujol, a marqué dans la discrétion du frère des écoles chrétiennes la société de notre temps. Le pic peut en être fier. Et les frères en sont fiers. L'enseignement est divisé en trois séries. La littérature, les mathématiques, les langues, auxquelles s'ajoutent en option, en quelque sorte, le commerce et les arts. Et les arts ayant une... Bonne place. Le détail des matières est impressionnant dans chacune des séries. Il y a beaucoup de travail, mais il ne faut pas oublier que le temps passé au pensionnat est plus que conséquent. Les élèves ne rentrent pas chez eux les dimanches. En 1860, l'année scolaire dure 11 mois, sans petites vacances. On comprend aussi que les familles pouvaient prendre quelques libertés surtout au moment des vendages, entre autres. Les prospectus présentant l'établissement et graines les matières enseignées. Je pourrais toutes les citer, mais ça serait assez rébarbatif. J'en je, je, je dis quelques-unes. Étude de la religion, bien sûr, c'est un des projets capital des frères des écoles chrétiennes. Lecture, débit oral, grammaire, orthographe, histoire, géographie, mythologie, style épistolaire, Arithmétique, algèbre, trigonométrie, arpentage, physique, chimie, minéralogie, botanique, italien, anglais, espagnol, allemand, tenue des livres, etc. etc. Donc un enseignement euh, très riche et très abondant. Alors pour dispenser cet enseignement, il faut des. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut des moyens. Et il fallait aussi des installations appropriées. Donc les frères vont créer. Les premiers laboratoires de physique et chimie, et on peut en voyant ce qui se passe dans cette salle, du matériel qui était utilisé dans ces, dans ces laboratoires, des laboratoires de sciences naturelles, et puis des ateliers de dessin et de peinture. Et j'ai évoqué tout à l'heure la place donnée à la musique, avec des locaux dédiés pour l'éducation musicale. Je vous cite quelques, trois lignes d'un prospectus de 1849. Pour faciliter l'étude des sciences naturelles et pour l'encouragement des jeunes peintres, l'établissement met à disposition des élèves des premières classes un cabinet de physique et d'histoire naturelle, un laboratoire pour la chimie et une galerie d'art. Les exercices de natation ont lieu, ont lieu dans un vaste bassin. Réunissant toutes les conditions de commodité et de sûreté. Nous sommes en 1849. Je crois qu'il faut parler aussi des, euh, des effectifs, parce que les effectifs donnent une idée de, des élèves qui venaient et des projets des familles, ce qu'attendaient les, les familles de la part d'un établissement scolaire. On le sait par les palmarès. Alors, le palmarès, c'était euh, un album qui était publié à la fin de chaque année pour rappeler les mérites des élèves. Les palmarès conservés depuis l'origine nous donnent des idées. Un exemple qui par là 1864, l'établissement compte euh, 516 élèves. La classe de débutants, la classe de 8e a 49 élèves. La septième e classe, 109 élèves répartis en trois divisions. 6e, 5e et 4e environ 90 élèves par niveau. En fin de quatrième, ils ont à peu près 13 ans. quoi. La deuxième classe, ce serait la première classe euh, secondaire, on tombe à 27 élèves. En classe de première, 8 élèves. Et terminale, 3 élèves. C'est quand même surprenant. Et ça, ce sont des chiffres réels. L'évolution globale des effectifs est également surprenante. En 1864, donc 516 élèves. Deux ans plus tard, 385. Alors, Remarquez la, euh, la fluctuation des, des effectifs. En 1873, 565 élèves, donc 512 pensionnaires. Donc, le pic, c'était une petite ville. Les anciens élèves d'aujourd'hui ont l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'élèves, mais les chiffres sont têtus, comme quelqu'un l'a déjà dit. Comment situer le pic dans les autres établissements similaires de la région. D'une façon générale, les collèges et lycées sont loin de connaître les effectifs que nous connaissons. En 1847, le PIC compte 320 élèves. En 1861, 400. Le lycée de Montpellier, une référence, en 1850, accueille simplement 344. Donc il y a beaucoup plus d'élèves au PIC qu'au lycée de Montpellier. Le lycée de Carcassonne, à la même période, on a simplement 249. Mais il n'y a pas encore de lycée, mais un collège qui compte 190 élèves. Les autres collèges de la région comptent tous moins de 100 élèves. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête quand on parle de l'éducation au XIXe siècle, de la scolarisation au XIXe siècle. La plupart des enfants arrêtent leurs études après les études primaires. C'est à la fin du XIXe siècle que s'organisent le musée et les collections. Le frère Johannes, maître des lieux pendant 30 ans, gère les collections, fait naturaliser de nombreux animaux. En 1891, il fait naturaliser par Bon Henri de Toulouse les lions, ours, lamas, morts de froid à la ménagerie du cirque qui s'était installé sur Béziers. Le personnel en 1887 nous donne une idée de l'organisation des études au pic et dans l'ensemble des pensionnats des frères. Le directeur, il est chargé des relations avec les parents et les professeurs. Les professeurs, ça veut dire les frères. Il passe dans les classes pour la remise des notes hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles, pratique qui s'est maintenue dans beaucoup d'établissements jusqu'à aujourd'hui. Le sous-directeur, il est responsable du matériel de la bibliothèque. Il contrôle les inspecteurs, et les inspecteurs, ce sont les responsables de niveau, préfets des études. Les noms varient d'un endroit à l'autre. Il organise les compositions de spécialité en première et deuxième division. Les trois frères inspecteurs, responsables d'une division, c'est-à-dire de plusieurs classes, sont chargés des compositions et de la discipline. L Anecdote celui de première division est chargé de la musique celui de la deuxième division donne des cours spéciaux. Et celui de troisième division est chargé de la sacristie. Les frères professeurs sont deux par classe. Un pour les matières littéraires, l'autre pour les matières scientifiques. Le professeur de français enseigne le catéchisme, le français l'histoire-géographie. Ça, ça perdurera assez longtemps cette pratique. Celui de mathématiques enseigne les maths, l'arpentage et la levée des plans, la physique-chimie, la géologie et la comptabilité. Il y a quand même des, des professeurs spécialisés pour le dessin lunaire, pour la peinture, pour les langues vi vivantes. Dans les classes supérieures, interviennent des professeurs de physique et de chimie, parce qu'on imagine bien que ces braves frères ne pouvaient pas être spécialistes de toutes les matières. Il y a aussi des professeurs de gymnastique, car le pic dispose d'un gymnase sur place et du bassin de natation à Plaisance, dont euh, j'ai parlé plus haut. Alors, ce qui est une particularité, les horaires journaliers étaient les horaires comme partout. Hein. Et on marchait à l'heure solaire. C'est pour ça que lorsqu'on voit qu'il se, qu se lève à 5h30, il ne faut pas s'affoler non plus. Hein. Il existe une école de peinture sous la direction du frère Samuel, qui a participé à la décoration de nombreuses églises, dans la chapelle de la chartreuse de mourages entre autres. Celle de la Maison Généralice à Paris, de la rue Audino, Maison Généralice qui était un véritable ministère de l'instruction. Il y avait plus de 500 frères dans cette grande maison et qui est devenu en 1905 le ministère de l'Outre-mer. Frère Samuel, modeste frère, a été honoré de son vivant par plusieurs distinctions médaille des beaux-arts de Toulouse et par des éloges officiels après son décès biographie éditée par les études des frères et éloge de Joseph Vial, frère Samuel, prononcé par M. Charles Dille à l'Athénée de Fort-Calquier en 1888. L'école de peinture a contribué à la formation d'artistes célèbres, au moins localement, Pellegrini, Gaston Saint-Pierre, Sylvestre, qui obtiennent le prix de Rome. Le frère Samuel ne tirait aucune gloire de sa notoriété. Il disait « On parle de Montalans, Montalans. » mon talent, c'est surtout ma robe de frère des écoles chrétiennes. Le musée, il est regrettable que nous n'ayons aucune trace de ce musée, car l'année 1905-1907 aura balayé beaucoup de choses, est riche d'œuvres de maîtres qui ont été achetées par les frères ou qui proviennent de dons de particuliers, et spécialement de la marquise de Montcalm, qui donna des toiles de maîtres dont l'inventaire figure aux archives la Salienne de Rome et dont on ne sait ce qu'elles sont devenues. Je vous les cite Une tête de druide de Ribera, rien que ça. Saint-Pierre de Valentin. Quatre paysages de griffes Adrien. Une cuisinière de Chardin. Un Saint-Sébastien de Murillo. Un Christ en croix de Gamelin que penser si ces tableaux sont des originaux et c'est possible au milieu du 19e siècle pourquoi pas Au 19e siècle est la guerre de Cato, et jusqu'à 1904 le pic prospère comme on vient de le voir mais les difficultés les épreuves vont l'atteindre une des premières crises c'est la crise viticole qui impactent les propriétaires locaux et par suite la baisse des effectifs pour le pic. De 700 élèves en 1876, les effectifs tombent à 500 en 1882 et 370 peu de temps après. À cela s'ajoutent les mesures législatives qui menacent la survie des établissements congréanistes et les congrégations elles-mêmes. Est-ce pour cette raison que le frère sénateur et fonde l'établissement de Condal et celui très prospère de la Bonanove à Barcelone. Ces événements n'empêchent pas le pic de promouvoir des projets et des réalisations, certaines dynamiques, comme la préparation du baccalauréat de 1888, d'autres plus alarmistes, comme l'apprentissage d'un quart d'heure d'allemand dans chaque classe et des séances de maniement d'armes. Comme dans beaucoup d'autres établissements, en vue de préparer la revanche. Les frères supérieurs pressent des jours mauvais. Et localement, ils préparent euh, repli sur l'Espagne. La solution pour sauver l'immobilier du PIC est de transférer les frères retraités de Fonserane dans les locaux du PIC. L'administration a trouvé la ficelle un peu grosse. Mais n'oublions pas que les locaux avaient été financés et uniquement par les frères et par quelques communes. C'est tout. Dans le même temps, les locaux de Fonserane, libérés, seront loués à une équipe de médecins sous la responsabilité du docteur Guibal afin d'ouvrir une clinique et une station thermale. Grâce au présumé bienfait de l'abondante source de Fosserane. Le refuge trouvé pour l'exil, c'est d'abord les, les Ostalets, avant de pouvoir prendre racine à Figueras. Le décret de fermeture du pic est signé par Clémenceau le 6 juin 1907. La chapelle est dépouillée de son arc. Les frères emportent tout ce qu'ils peuvent emporter vers l'Espagne. À la dernière distribution des prix, quatre discours marquent la fin d'une histoire bitéroise. Le 23 juillet, on peut imaginer la scène un char funèbre, couvert de gerbes et de fleurs, accompagne, symboliquement, le cortège des exilés jusqu'à la frontière. Le 25 août, réunion d'adieu de l'amicale des anciens élèves, en présence du frère Gabriel Marie, supérieur général, Départ définitif des frères, le 31 août. Commence l'exil en Catalogne. L'objectif est de s'installer à Figueras, mais en attendant qu'un établissement soit construit et aménagé, une solution provisoire permet d'accueillir les frères et les 115 élèves qui les ont suivis en terre catalane. On peut être aujourd'hui, on est surpris, par la démarche des familles, qui ont accepté que leurs enfants quittent la région, pas simplement Béziers, mais ils étaient de tous les départements, même au-delà, pour rejoindre leurs maîtres en terre d'exil. Après l'épreuve de l'exil, quelques années après, c'est la guerre. En 1914, l'établissement compte 200 élèves. Tout semble promettre un avenir, un avenir serein quand la guerre éclate. Les frères mobilisables, et là, une petite parenthèse, même une grande parenthèse, il n'y avait plus de frères en France pratiquement. Ils n'avaient plus le droit d'exercer en France. La plupart sont partis en exil à travers tous les pays du monde. Les frères étaient nombreux. Au 19e siècle, même au début du 20e, il y avait plus de dix mille frères en France. C'était donc un corps très important. Et, chose surprenante, enfin, qui me surprend à moi, c'est que pratiquement tous ces frères, à la déclaration de guerre, reviendront en France pour participer à la défense du pays. Moi, je veux dire, chapeau. Le bilan de la guerre est très lourd pour les belligérants. Il est très lourd pour l'Institut des frères. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2317 frères sont mobilisés. 349 seront blessés, 280 tués. Ça fait un lourd pourcentage. Alors cette participation à la défense du pays explique la clémence de la République qui fermera les yeux sur le retour discret des frères en France après la guerre. Parce qu'ils étaient toujours hors la loi. Et ils n'avaient pas le droit, par exemple, de revêtir l'habit religieux. C'était une semi-clandestinité. Progressivement et timidement, ils vont reprendre leur mission d'éducateurs chrétiens. À Béziers, au pic, ils reviennent en 1922. Les frères retraités qui occupaient les lieux depuis 1907 retournent à fosse la clinique quitte les lieux en conformité avec l'engagement pris par le docteur Guibal. Parmi les victimes, il me plaît d'accorder ici une mention toute spéciale au frère Jules Lieutenant Rabinel. Il était professeur à Figueras, mort héroïquement à la tête de sa section. Lieutenant de réserve, Jules Rabinel. Frère Firma Jules est mobilisé au 207e régiment d'infanterie. Décembre 14, il se trouve engagé en première ligne avec sa section. Ses soldats sont unanimes à témoigner, je les cite. Le lieutenant était adoré par ses hommes. Il était bon, toujours aimable, de bonne humeur, sachant prendre le soldat et se mettre à son niveau très courageux et devenait très prudent quand il s'agissait de la vie de ses hommes. Un de ses sergents relate un fait qui témoigne de sa générosité. Il fut le premier à marcher de l'avant. Un Allemand, le voyant arriver, lui tire à bout portant un coup de fusil. Il le manque. Et tue un homme qui se trouvait à ses côtés. Un soldat français furieux, baïonnette au canon, sur l'allemand qui effrayé sera le lieutenant arrive juste au moment où l'allemand allait mourir retenant le bras vengeur de son soldat rabinel lui dit ne donne pas la mort et cependant il avait failli être tué pris sous le feu voyant sa compagnie décimée il ne voulut pas se sauver ayant reçu l'ordre de résister jusqu'à la fin Prenant un fusil, il me dit, mon pauvre ami, nous sommes perdus. Si l'ennemi vient, nous n'avons qu'à mourir ou nous rendre. Pour moi, je me ferai tuer ici, mais je ne me rendrai pas. Nous étions 15, nous lui avons promis de rester avec lui jusqu'à la fin, mais nous n'avons pas pu le sauver. Je trouve ce récit émouvant. On comprend l'émotion qui fut celle que ressentirent les frères et les élèves lorsque la triste nouvelle leur parvint à Figueras. Les frères avaient été chassés par la République en 1907, dispersés à travers le monde, l'Asie, aux Amériques, en Afrique. Ils n'ont pas hésité à répondre à l'appel de leur pays pour le défendre. 1922, c'est le retour aux sources. Mais petitement, deux classes sont ouvertes, ce qui correspondait à CM1 et CM2, 27 et 28 élèves. Chaque année va s'ouvrir une classe supplémentaire. Et en 1929, le PIC fonctionnera de plein exercice, avec des effectifs réduits certes, et il n'y aura plus d'élèves à Figueras. Une nouvelle page de l'histoire du PIC vient de s'ouvrir. Donc on vient de le voir, l'histoire des frères à béziers c'est une longue histoire et très riche histoire qui s'est développée sur la ville, mais qui s'est étendue et qui a eu des répercussions sur l'éducation au plan national, puisque, on peut le dire, l'enseignement le, moderne, le baccalauréat moderne, existe toujours est né de frères qui exerçaient au pic aujourd'hui les frères sont n'exercent plus sur le pic certes ils exercent encore dans 80 pays à travers le monde mais ce Là, ce qu'ils ont réalisé est pris en relais par de nombreux laïcs, chefs d'établissements, professeurs et autres, dans le cadre du réseau lasalien, un des réseaux d'éducation chrétienne de l'enseignement catholique le plus important en France, puisqu'il y a plus de 150 établissements. Et plus de 100 000 jeunes scolarisés, encore, comme l'on dit, par les frères. Et ces établissements portent l'appellation, comme c'est le cas ici, Pic-Lassalle. Tous ces établissements sont sous le sigle de La Salle. Le, le souvenir de, tout, de cette longue histoire est visible. À Fosserane, dans le cimetière de la communauté, un des rares cimetières privés qui existe encore, avec toutes les autorisations voulues. Et lorsqu'on fait visiter ce cimetière, les visiteurs sont toujours surpris quand on leur dit Il y a plus de 600 frères qui reposent ici. Et l'un d'entre eux, un jour, me disait Quel poids de dévouement il y a ici C'est beau Après ce voyage sur deux siècles où je ne puis donner que l'essentiel, mais déjà l'essentiel est très riche, euh, je vous remercie d'avoir eu la patience de bien vouloir m'écouter.